Dis donc, c'est fou comme les gens sont autonomes dans cette ville, ou effrayant. Mais il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'aide. Hé, qu'est-ce que tu veux? C'est Jim le Crado qui t'envoie. Tu travailles pour Jim le Crado? Non, monsieur. Le seul Jim que je connais, il est très propre. J'espérais travailler pour vous. Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu pouvais pas mieux tomber, petit. Je lance mon affaire et j'aurai besoin d'un coup de main. Quel genre d'affaire? Des jetons de bornes d'arcade? Ouais, j'ai un ami qui travaille à l'usine qui les fabrique pour pas cher. Moi, je vais les vendre à tous les gamins de cette ville qui adorent jouer à des jeux vidéo. Mais vous avez le droit. T'en fais pas, ça va bien se passer. Tu vas travailler avec ma fille, elle va te montrer les ficelles. Hé, gamine, viens par ici. Nancy! Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je te présente, machin. Il va venir avec toi ce soir. Salut. Salut, machin. Je m'appelle Nancy. Ravie de te rencontrer, Nancy. Mais en fait, moi, je m'appelle Bill. Ouais, c'est ça. Vous deux, vous allez récolter une fortune. Prenez ces ceintures à jetons et allez les vendre à l'arcade. Il est sympa, ton vélo. Merci. Le tien aussi est joli. J'ai mis une carte de baseball entre les rayons. Comme ça, quand je roule, ça fait le bruit d'une moto. Écoute ça. Waouh, c'est pas pratique, mais c'est génial.